chers amis, chers camarades, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. Il y a tellement longtemps que je voulais aller au plateau des Glières et je n'ai jamais pu. Maintenant, je ne suis pas de vous et loin de vous, mais je veux vous parler avec mon cœur, sans problème. Mais on a morflé beaucoup pour préparer l'insurrection nationale, l'insurrection populaire de Paris. Et notre mission à nous, notre petite mission qui nous a été donnée par le Comac, c'était de faire des actions armées dans Paris, au grand jour, avec beaucoup de personnes qui passaient là pour montrer aux Parisiens que le jour J, quand on leur dirait « Levez-vous !» ils se lèvent et qu'ils disent « Si même une petite jeune fille, elle peut abattre un officier allemand sur un pont et s'en aller à bicyclette, mais on a morflé beaucoup pour préparer l'insurrection nationale, l'insurrection populaire de Paris. Et notre mission à nous, notre petite mission qui nous a été donnée par le Comac, c'était de faire des actions armées dans Paris, au grand jour, avec beaucoup de personnes qui passaient là pour montrer aux Parisiens que le jour J, quand on leur dirait « Levez-vous !» ils se lèvent et qu'ils disent « Si même une petite jeune fille, elle peut abattre un officier allemand sur un pont et s'en aller à bicyclette, et ils ne savaient pas que j'avais été arrêté par la milice juste après, parce que le type, il m'avait vu, il avait sa voiture à essence, seules les voitures à essence étaient conduites par des Allemands ou par les Français, et qui étaient leurs alliés. Bon. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons fait ce que nous pouvions. Et c'est tout. Moi, j'ai 20 ans, le jour de la libération de Paris. C'est un hasard. Un hasard heureux. L'été terrible où nous avons combattu avec beaucoup de pertes. Avant la libération de Paris, au moment justement où les copains des Glières ont trouvé la mort, eh bien, c'est vieux. Le monde est complètement changé. C'est plus du tout le même monde. Je ne vous donnerai pas de conseils. Je n'ai aucun titre à vous pour vous dire un mot d'ordre, une feuille de route. Je n'en ai pas. Je suis d'un autre temps. Je vous dis seulement, faites comme nous. Inventez votre route. Inventez votre chemin. Réunissez-vous. Et sans haine, surtout, bannissez la haine de toute votre pensée. Quand la France est sous la grêle, vous qui faites le délicat, vous qui pensez à ces querelles, aucun commun combat, que disait Aragon dans le temps, en 42,
Il parlait de deux gars qui ont été fusillés. Il disait, celui-là croyait au ciel, et celui-là n'y croyait pas. C'était deux rebelles. Eh bien, il pensait, en parlant de la France, qu'elle vive, et qui vivra, verra. Je n'ai pas d'autre parole à vous donner. Qu'elle vive, et qui vivra, verra. Rassemblez-vous, parlez entre vous, ne enlevez les trucs de vos oreilles là, quand vous passez dans la rue, écoutez l'immense misère de notre peuple, et c'est vous qui allez l'inventer. Je pense à mon ami Raymond Aubrac, qui a inventé ce pèlerinage ici même, il y a longtemps déjà. Je me souviens que quand nous étions ensemble dans des collèges ou des facultés pour passer la mémoire, il y avait beaucoup de jeunes qui lui disaient « Monsieur Aubrac, comment avez-vous fait pour entrer dans un réseau ?» Effectivement, c'était un problème. Bon, alors lui, il répondait « Mais quand j'ai commencé avec Lucie, il n'y avait pas de résistance encore. C'était en 40, 41. Bon, il n'y avait pas de mouvement constitué. Alors, on a parlé entre nous, avec des amis, et on a inventé la résistance à Lyon. On a inventé, ça s'est appelé Libération Sud, et après Libération Nord. Et voilà, inventez à votre tour.